bienvenue sur Anonymal Télé pour ce nouveau mag. Aujourd'hui, nous sommes au parc Gilbert-Villers où se déroulera à partir de ce soir et jusque samedi soir le très célèbre Zigzag Festival. Aujourd'hui, nous allons découvrir les coulisses de ce festival tant attendu par les Aixois en rejoignant Fanny qui se trouve au milieu de l'installation. Bonjour Fanny. Bonjour Jeanne, je suis actuellement au Théâtre de Verdure devant la scène principale qui est en pleine installation. Je vais essayer d'aller à la rencontre des techniciens pour voir leur travail, comment ça se passe malgré la chaleur. Merci Fanny, on se retrouve tout à l'heure pour plus d'informations. En attendant, je me trouve actuellement devant les jeux d'eau qui ont été inaugurés la semaine dernière. Reportage de Jérémy Antosico. Ça, il faut le reproduire dans d'autres quartiers. On avait commencé par Besson, on est passé par la Pinette, Corsi, c'est moins élaboré, mais c'est pas mal. Là, c'est élaboré. Nous avons fait en sorte que les règles d'hygiène soient totalement respectées, avec un traitement qui fait qu'il ne peut pas y avoir quelques problèmes que ce soit pour les enfants. C'était important de se perfectionner au fur et à mesure que nous avançons dans la mise en place des structures sur Aix. Alors c'est vrai que ce parc est une merveille. Il y en a deux autres qui vont être mis en place dans d'autres quartiers pour le plus grand bonheur des enfants et des familles. Après, l'eau, il faut l'apprécier. On a tous besoin de faire un effort pour sauver notre planète. Alors je compte sur vous tous. Bah aujourd'hui, on est ici parce qu'il fait un temps plutôt agréable. Il y a un parc qui est tout aussi agréable, surtout avec les jeux d'eau du moment. C'est super cool, surtout pour les enfants, ils adorent ça. Il y a pas mal de petits comme ma fille, donc elle peut vraiment s'éclater dans des lieux de ce type. Ouais. Là, pour moi, ça rassemble à peu près tout ce qu'on avait besoin. Enfin, il y a assez pour se promener, c'est un cas plutôt joli. Il y a un petit lac, il y a des canards, il y a des jeux pour les enfants. C'est assez sécurisé, peu importe les heures à laquelle on vient, donc c'est vraiment cool. Ouais. Retour maintenant sur le site du Zigzag. Alors Fanny, comment se passe l'installation ? Je suis avec Karim, technicien lumière. Bonjour Karim, dites-moi comment ça se passe ? Bonjour, ça se passe très bien. Là, on est en train d'installer tout le système éclairage électrique pour les concerts de jeudi, vendredi et samedi. Et puis voilà, quoi. Le montage se passe bien, fait chaud. Super, merci en tout cas et bon courage pour la suite. Merci. Merci Fanny, ça a l'air très prometteur. Revenons maintenant ensemble en images sur l'édition du Zigzag de l'année dernière. Festif. Cool. Joyeux. Tranquille. Et amusant. Wow.
quelle ambiance, on a hâte d'y être. Fanny, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Je suis avec Clément, technicien audiovisuel. Bonjour Clément, explique-nous ce que tu es en train de faire. Bah, tout simplement, l'équipe d'Anonymal TV prépare la captation vidéo de tous les concerts qui auront lieu sur la grande scène de jeudi, vendredi et samedi soir. Donc on va installer au total 4 caméras et une captation donc en direct, en réalisation multicaméra, ainsi qu'une retransmission sur un écran géant pour les personnes qui n'auront pas la place d'être dans l'amphithéâtre de Pierre. D'accord, ben merci en tout cas pour ce témoignage. Et à toi Jeanne. Merci Fanny. On vous attend nombreux ce soir pour profiter du zigzag avec nous. Merci d'avoir suivi cette édition de notre mag et à la semaine prochaine.